Hey, salut à tous et à toutes, c'est Niglofan89 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Europa Park. Some action and you know just what it is to ride on. Hitting from the sea, cause it doesn't look so pretty right on. Got your things all in your back, time is what you have. Looking up and down, you gotta do it again. With your heart inside your sleeve, don't forget to breathe. Here she comes around, you gotta do it again. So ride on. Silver star, so ride on, ride on, whoever you are, so ride on, ride on, silver star, turning out of wind, it's gonna sing when you are. Là, on est à Canton Coaster, nouveauté 2018 de Europa Park. Du coup, là, on a testé, on est en single rider, ce qui nous arrange beaucoup parce que ça fait moins d'attente. Et du coup, on fait une petite on ride et on se retrouve plus tard. Voilà.
Flying Coaster, nouveauté, que je trouve super bien, franchement, à part la musique qui manque un peu de BGM au niveau du... dans le ride, il manquait le MC du French Montana, je sais pas pourquoi. Mais du coup là je me dirige vers vers le Boss Leg. Voilà, pas le Boss Leg Nigo, ici, merci. Mais le Boss Leg d'Europa Park, c'est un extrait des rails. C'est, même, c'est un peu comme la trace du Europa Park Asterix. Et du coup, bah, une petite ride se fera. Et ben, écoutez, bah, bon visionnage. Après le Boss Leg, nous nous dirigeons vers l'attraction Arthur et Arthur et les Minimoys de Europa Park, qui est vachement cool. Voilà, du coup j'y vais et alors je maintiens comme on disait des zones rest, c'est étonnant, les zones rest sont autorisées ici. Bon écoutez, on va en profiter. C'est cool ça.
après avoir fait Arthur et les Royaumes des Minimas, qui est juste fabuleux, une attraction bien synchronisée au niveau des systèmes, tout ça. Oui, il y a Kevin Kyo. Voilà. Là, on se dirige vers Blue Fire et le Wooden. J'espère qu'ils vont avoir commencé. Hein. Et de toute façon, Atlantica est fermé. Atlantica. Normalement, il est fermé. Oui, il est fermé parce qu'il y a. Il y a pas l'eau qui. Il y a pas l'eau alors. Il est fermé. Ah, d'accord, j'ai envie, là. Voilà. Du coup, bah là, on se dirige vers Blue Fire et bien sûr, il y a encore des zones rides. Des zones rides, des zones rides. Il y a que ça maintenant. Il met sur quelques décos filmés par notre ami 4h là-haut qui. Mon assistant qui me. Il vous fait quelques vidéos de vue comme ça, vous aurez un peu. Il a fait l'ensemble du parc. Hein, oui, il a fait l'ensemble du parc. Voilà. Et rien comme terrestre. Oui. Et du coup, voilà, là on va se diriger vers Wooden. Et Wooden, il est là-bas. Et je vous dis à tout de suite. Le raccrocher parce que là il va aller le perdre. C'est parti. Après la petite vidéo de Wooden que vous aurez, là on part sur Blue Fire, voilà, qui est un des meilleurs coasters pour moi parce que c'est un peu le, comment dire, le papa d'Alpina, voilà, parce que c'est les mêmes trains et les mêmes rails, sauf pas le même parcours parce que le parcours d'Alpina il est inspiré de Piraten à Small World au-dessus de l'Allemagne, au Danemark, et du coup là c'est assez magnifique, mais même voir derrière les rails, du coup là on part pour Blue Fire. Et bien sûr, vous aurez normalement une petite vidéo on ride. Allez, je vous laisse l'extrait. Allez, un train qui part.
Mais je suis en Oromir, c'est parti pour Oromir et 10 vidéos après. Voilà, vidéo sur Oromir. C'est vrai que ça part ancien, hein. C'est des vieux délires ça, monsieur. Le projet. Ah, les vieux moteurs. Ouais, même plus que ça, t'en as. Ouais. C'est le même système, tu sais, que le fresh changement là. Ouais, ouais. On appelle ça un système hélicodal. Donc en fait, il y a un crochet là. Ce crochet là, en fait, il va s'accrocher au truc là. Ouais, il va prendre et puis. Dans celui-là, et la voie va monter en fait. Là on est accroché. Waouh! Belle vue d'ici, hein. Ouais. Ah c'est cool ça. Bien les toupies ça. Moi mon chef j'appelle ça les toupies de bled, moi. À quoi c'est vrai? Hop là! Là tu dis. Alors là, nous avons l'Aurore là-haut avec. Avec Fribourg juste à côté. J'en ai le garde chez moi, j'en ai besoin en plus. Alors, vraiment, il est laissé celui-là. Hein. Il l'a fait un peu mal. Il y a bien des notions. Regardez, où ça a brûlé, ça a brûlé tout ça. Ah, ça part? Ok. Ah, la vache! Ah, les gélatéraux là-dedans, c'est pas possible! Aïe 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 aïe! Les amis, les gélatéraux là-dedans, je sais pas quoi. Hop là! Attention! Ah, du frein! Ah bah non, c'est pas de frein! Ah là 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 là. Et on passe là-dedans, et on repasse, et on refoto, et on repasse! Et on repasse là, et on arrive là! Oh la vache! Ah. Oh la vache! Oh le frein! Bon bah monsieur, on repart ou pas? Pour moi qui est une catastrophe de conception au niveau arrière, nous partons pour Poséidon. Ça fera mieux je pense. Voilà, on va direction Poséidon avec presque j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne du tout. Voilà, je vais faire quelques plans. Mais bon.
capuche, capuche, capuche. La capuche, capuche. Le premier ça va, c'est le deuxième. Mais je sais monsieur. Crochet ça. Bon bah. Alors, en fait on n'est pas un train complet, c'est par l'avant, oui, donc il va mouiller, ça c'est sûr. C'est comme dans la canadienne, s'il y a trop de poids à l'avant, ça mouille à devant. Donc bah moi je dis rentrant bah. De sécher, voilà. On va faire ça. Bon, bah, allez. C'était sympa de vous avoir, monsieur Seb. Bon, bah, allez. Allez. Adieu. Hop là. Ça va. Après une tempête au milieu de la forêt. Vous, vous avez pris. Vous pouvez nous dire merci, hein. Ouais, moi, je suis. Comme Nico, bon un peu, mais ce matin je l'avais fait en étant devant et. Oh, bah ça rafraîchit. Oui, ah bah là ouais. Attraction d'été ouverte en hiver, forcément. Génial. Pourquoi il n'y a personne? Bah oui, bah oui. Bon bah voilà. Pas étonnant, on a la réponse. Bon. Jamais. Bah. Je vais aller faire Blue Fire comme ça t'es séché. Hein. Ils ont ouvert celui-là, par contre Cassandre c'est fermé quoi. Alors ça. Attention. Ah non, ça va. Ouais. Et voilà, c'est terminé ce vlog au papa. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je fais l'intro de fin sur Archer et Nicolas, c'est pour moi c'est une meilleure impression que j'ai adoré d'ici, une nouvelle technologie de chez McRide. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer la vidéo, à vous abonner. Et comme vous le savez, les réactions c'est toujours. C'était Nicolas 89 à Europa Park et je vous dis à la prochaine.